Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Il m'a expliqué que lui et donc tous les éléphants faisaient partie de cette énergie de paix et qu'ils apportaient cet équilibre au niveau planétaire. Continue watching to find out more about conversing inside with animals. Today's program will be presented in French with subtitles in Arabic, Oraisis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Bonjour magnifiques téléspectateurs, je suis Élise, un cerf commun vegan du charmant massif central du sud de la France. Nous les biches sommes considérés comme les animaux spirituels de la forêt qui symbolisent l'affection naturelle. Les animaux et les humains de France souhaitent que vous receviez toujours les tendres soins aimants de Dieu. L'émission d'aujourd'hui, Joy Fremantle, la communication d'âme à âme avec les animaux, est une série en trois parties présentant une communicatrice animale française professionnelle qui nous fait part de ses fascinantes conversations télépathiques avec les animaux. Joy Fremantle a toujours aimé les animaux de tout son cœur. Elle a eu la chance d'être l'assistante d'une communicatrice télépathique pour animaux en France. Ce poste lui a permis de faire des centaines de communications télépathiques avec divers animaux et de devenir experte en la matière. Avec l'aide de la communicatrice pour laquelle elle travaillait, Joy a d'abord essayé de communiquer intérieurement avec son chat Pacha. J'ai fait ma première, donc elle m'a fait ma première communication avec mon chat, ce qui m'a paru complètement incroyable de voir à quel point il lisait en moi. Elle m'a raconté des choses que je n'avais jamais dites à personne, que ça pouvait venir que de lui. Et j'ai eu la chance de travailler avec elle pendant un an, donc j'ai été formée. J'ai fait mon stage moi-même pour être réveillée à ce langage naturel. Et j'ai travaillé avec elle pendant un an. Et à la fin de cette année, donc j'avais fait énormément de communication avec des chats, des chiens, des chevaux, des furets, des serpents, enfin beaucoup d'animaux domestiques. La curiosité de Joy l'a poussée à aller plus loin. Quel message les animaux sauvages ont-ils pour les humains ? Pour le découvrir, Joy a voyagé aux quatre coins du monde pour rencontrer beaucoup d'animaux différents et communiquer avec eux intérieurement. Une rencontre extraordinaire en particulier a changé sa vie. Elle a rencontré un éléphant sauvage au Sri Lanka qui l'a encouragé à devenir une voix pour les animaux. Cet événement a été une révélation pour elle et la base d'une nouvelle mission de vie, le début d'une grande aventure. J'étais très curieuse de savoir ce qui se passait avec des animaux sauvages. J'ai toujours eu cette attirance pour les éléphants, donc j'avais cette grande curiosité. Et donc je suis partie à l'étranger, j'ai eu aussi cette envie de repartir voyager, de découverte. Et l'année dernière, j'ai commencé un voyage au Sri Lanka, où j'ai rencontré des éléphants. Ça a été assez incroyable, très très fort. On m'avait toujours dit que les animaux sauvages nous parlaient de leur quotidien, de ce qu'ils avaient mangé, de leur petite vie, entre guillemets. Et en réalité, je me suis rendu compte que pas du tout. Ils nous parlent de la planète en général, de notre espèce, de la leur, comment on interagit avec la planète, la nature. Donc c'était assez fou. C'est comme ça que j'ai vraiment commencé en tant que professionnelle la communication animale. J'ai rencontré cet éléphant et tout de suite, j'ai été comme dans une bulle avec lui, vraiment transportée. Je l'ai rencontré, je marchais sur une route à côté d'un parc national. Et il était juste là en face de moi. J'étais tellement dans ma bulle avec lui que je suis rentrée dans le parc en fait. Je suis passée à travers la barrière, je suis rentrée dans le parc. Et on était là face à face et je me suis posée un moment avec lui. J'ai juste baigné dans son énergie au début, c'était vraiment très très fort. Et ensuite j'ai eu des premières informations. Donc sur les éléphants en général, il m'a expliqué que lui et donc tous les éléphants faisaient partie de cette énergie de paix et qu'ils apportaient cet équilibre au niveau planétaire. Il y avait un énorme égrégore de paix, d'amour et de compassion et que ça compensait avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde.
J'avais beaucoup de points d'interrogation aussi pour moi, mon futur par rapport aux animaux. Et il m'a expliqué que je commençais en fait un voyage de guérison et que j'avais pas encore assez confiance en moi, que j'avais pas encore fait un nettoyage émotionnel de plein de choses du passé, et que ce voyage, ça allait être un voyage de guérison, et qu'une fois que j'aurais fini cette guérison, je pourrais être le porte-parole, entre guillemets, des animaux, comme il y en a plein partout dans le monde. Et donc du coup, il m'a dit, bah, je reviendrai te voir dans un rêve, et je te dirai quand tu seras prête. Pour l'instant, c'est un apprentissage en fait. Nous prendrons quelques instants pour regarder un message constructif et nous reviendrons très vite. Restez sur Supreme Master Television. Bienvenue pour la suite de l'émission Joy Fremantle, la communication d'un Maham avec les animaux. Première partie de 3 épisodes. Après être allée au Sri Lanka, Joy a visité d'autres pays d'Asie. Quand elle était en Turquie, l'éléphant du Sri Lanka, qu'elle avait rencontré auparavant, l'a contacté intérieurement. Et en fait, le dernier jour du stage, la nuit, j'ai rêvé de ce même éléphant qui est venu me voir et qui m'a dit « ça y est, t'es prête, l'aventure commence pour toi ». Je me suis dit « ah, j'ai rêvé, c'était un rêve ». Donc je suis retournée en communication la journée le voir. Il m'a dit « oh non, t'as pas rêvé, je suis bien revenue te voir ». Ça y est, c'est, maintenant il faut vraiment que tu commences, il faut que tu transmettes, que tu parles en fait le plus possible aux personnes autour de toi pour leur dire qu'on a un mode de communication qui est différent de vous les humains, mais qu'on a des émotions, qu'on fait partie de la planète et qu'il faut vraiment retrouver un équilibre en fait au niveau planétaire. Les éléphants ont une immense sagesse et ils sont énormément admirés dans de nombreuses cultures. On peut avoir un meilleur aperçu de la profonde spiritualité des éléphants grâce à une communication intérieure que Joy a eue avec Pelusa, le vieil éléphant qu'elle a rencontré en Inde. Un article du site web de Joy relate la conversation et livre son commentaire sur l'expérience. Elle est arrivée en courant et en barrissant. Je suis là, je suis bien, je sais ce qui se passe. Je ne suis pas la seule bloquée ici. Nous sommes tous ensemble, comme une famille. Nous nous encourageons mutuellement. Elle me montre les humains autour. Je vis ici depuis quelque temps, tu sais. On s'habitue et on oublie que peut-être un jour, on pourrait voir autre chose. J'ignore ce qui se passe autour et j'attends. Ce n'est pas si terrible après tout. Tant que je fais ce qu'ils veulent, ils ne se préoccupent pas de moi plus que ça. Apparemment, elle était rebelle et résistait. Il la battait. Maintenant, elle obéit et c'est plus facile. Elle communique son message avec beaucoup de sagesse et de respect envers nous. C'est une vieille dame et elle connaît le monde. Comment te sens-tu physiquement? Mes articulations me font mal. Je ne marche pas assez. Je me rouille. C'est vraiment petit ici. La jungle me manque. La beauté des arbres. Ils ne sont pas loin, mais ce n'est pas la jungle. Le chant des oiseaux me manque et le soleil sur les feuilles. Comment te sens-tu émotionnellement? Je suis en paix. J'ai accepté la situation. Je sais que les choses vont changer bientôt. Une grande bataille se prépare. La nature va gagner. La nature doit gagner pour la survie de la planète. Votre espèce est comme un adolescent. Vous devez apprendre et grandir. C'est la progression normale. Ne vous en faites pas trop, une nouvelle ère arrive. Un message? Continuez à vous battre, vous avez raison. Nous ne méritons pas cela. Bientôt, tout ceci sera derrière nous. Bientôt, nous travaillerons tous ensemble. Comme nous le faisions, j'ai confiance. Je ne sais pas si nous le verrons, mais je sais. Merci d'être venue. Elle est très puissante et en paix. Elle sait. Le message de Pelusa pour notre monde donne de l'espoir et est des plus perspicaces. Puisse toute l'humanité entendre ces bonnes nouvelles et se réveiller rapidement afin que la nouvelle ère dont parle Pelusa arrive bientôt. Que les cieux protègent tous les êtres de notre belle planète. Dans l'émission d'aujourd'hui, Joy Fremantle,
la communication d'âme à âme avec les animaux. Deuxième partie, nous sommes honorés que Joy continue à partager avec nous les beaux messages qu'elle a reçus de nombreux animaux extraordinaires qu'elle a rencontrés au cours de ses voyages. Joy Fromental a toujours aimé les animaux de tout son cœur et elle a eu la chance d'être l'assistante d'une communicatrice télépathique pour animaux en France. Ce poste lui a permis de faire des centaines de communications télépathiques avec divers animaux et de devenir experte en la matière. Alors, les animaux sauvages, ils sont tous connectés à la planète, ils sont tous connectés entre eux, entre les différentes espèces. Ce langage qu'on utilise en communication animale, c'est un langage universel. Et eux l'utilisent, c'est leur manière de communiquer. Ce que nous, on a coupé, ce qu'on a eu, mais qu'on a coupé. Et donc, ils nous expliquent qu'aujourd'hui, la planète, elle souffre parce qu'on ne s'en occupe pas. On se pense un peu humain supérieur et du coup, on l'utilise, mais on ne fonctionne pas avec elle. Et là, justement, la semaine dernière, avec les bénévoles de mon association, on a fait une communication, donc à distance, avec un tigre que j'avais rencontré pendant mon voyage en Inde. Et il nous a expliqué notamment qu'il y a très 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 longtemps, les humains regardaient les oiseaux pour voir comment mieux vivre en accord avec la planète. Enfin, c'était vraiment leur guide, en fait. Et qu'aujourd'hui, les oiseaux vont très mal. Enfin, ils migrent à d'autres endroits, ils sont perdus à certains endroits dans le ciel à cause des ondes. Enfin, il y a vraiment des choses qui se passent comme ça et nous, on ne le voit pas et on l'ignore ou même on en rigole. Et ils nous expliquaient que quand les oiseaux vont mal, ça commence à être grave et qu'il faut vraiment réagir, que c'est maintenant qu'il faut vraiment réagir parce que la planète va mal. En Inde, y a énormément de paon, c'est l'animal de l'Inde d'ailleurs. Le paon, c'est très différent, ça a une énergie, c'est comme un magicien, il a une énergie, c'est de la magie. Il nous explique que tout est illusion, que rien n'est réel. C'est vraiment ça, son message principal c'est ça, c'est tout est illusion, rien n'est réel. Et on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. C'est à nous de créer notre réalité, en fait. Ça, c'était vraiment... C'est très particulier comme message. C'est très perturbant pour un être humain parce que ça nous fait vraiment sortir de nos cases d'humain. Nous, les animaux, en savons beaucoup sur les gens. Vous pourriez être surpris d'apprendre que nous pouvons percevoir les problèmes personnels dont vous n'avez peut-être pas conscience. Parfois, on peut même se mentir à nous-mêmes sur certaines choses et eux le voient et nous guident, en fait. Nos animaux de compagnie, comme on dit, ils sont vraiment là pour nous aider. Alors, nous aussi, on a un rôle dans leur vie, mais eux ont aussi un grand rôle dans la nôtre. Ils ont chacun des missions différentes, donc ça peut être vraiment des guides spirituels où ils vont nous accompagner sur un chemin, comme mon chat peut l'être. Et après, il y a des animaux qui sont là pour nous apporter de la joie, par exemple. Ils peuvent accompagner un enfant dont les parents ne sont pas très présents, lui apportant beaucoup d'amour, beaucoup de présence. À présent, vous aussi, vous aimeriez peut-être converser intérieurement avec un ami animal. Nous avons demandé à Joy, qui est capable de communiquer par télépathie avec les animaux, de nous en dire plus. Tout le monde est capable de communiquer avec les animaux. Alors, la communication par télépathie, c'est une communication qu'on fait tous quand on est bébé. Quand on est, c'est comme ça qu'on transmet les informations à notre mère. Et ensuite, on développe la parole et on se rend compte qu'on n'a plus besoin de ce moyen-là puisque la parole, la maman, elle entend mieux. Et du coup, on coupe, on rentre à l'école, on rentre dans la société, on est recadré, reformaté. Et on oublie même qu'on a de l'intuition et une petite voix intérieure. Nous allons faire une pause pour regarder un message positif et nous reviendrons. Alors, restez sur Supreme Master Television. Bienvenue pour la suite de l'émission Joy Fremantle, la communication d'âme à âme avec les animaux, deuxième partie sur Supreme Master Television. Avant notre entracte, Joy a déclaré que les humains naissent avec la capacité de communiquer par télépathie, mais qu'ils perdent ensuite rapidement ce don.
Comment les gens peuvent-ils récupérer cette compétence? Et puis, un jour, en fait, c'est à travers quelques exercices de méditation, de relaxation, qu'on se rend compte qu'on peut se reconnecter à l'intérieur et qu'on reçoit tout le temps des messages, mais on n'en a pas conscience. Donc, on le fait déjà tout ça, communiquer par télépathie. Quand on pense à quelqu'un qui nous appelle, c'est de la télépathie. Il y a plein de moments où on entre en télépathie, souvent avec ou des parents, des proches, son mari, sa femme, ses enfants, les personnes avec qui on a un lien fort, ça marche très 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 bien et on en a encore un peu plus conscience. Mais c'est vrai qu'en 2 jours, on peut se reconnecter complètement et retrouver ce langage qui est naturel. Alors c'est comme une nouvelle langue, on va retrouver le langage, après il faut pratiquer. Donc on va avoir le vocabulaire, on va dire, les clés pour pouvoir communiquer, et après il faut pratiquer pour pouvoir être de plus en plus fluent, de plus en plus... Voilà, que ça coule, tranquille. Mais c'est juste de se dire, ok, j'ai confiance, les informations que je reçois sont vraies, viennent vraiment de l'animal, et à l'intérieur, on est aligné avec ça et on sait que ça fonctionne. C'est juste une prise de conscience et une prise de confiance en nous, et c'est là qu'on a ce déclic et qu'on se dit, ok. Après, tout le monde le fait déjà. Lors d'un voyage en Inde, Joy a rencontré un gentil chien dans un refuge pour animaux. Il l'attendait et avait un message important à partager. Et là, c'était dans le dernier refuge, donc c'était un peu lourd émotionnellement. Il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse, des animaux qui ont été battus aussi, donc c'est assez difficile. Et le dernier refuge, j'étais un peu fatiguée émotionnellement de recevoir tout ça. Et ce chien, un magnifique chien blanc, il est arrivé comme un ange en courant. Alors j'arrive, je dis oui, comment tu vas? Je mets mes mains pour voir comment il se sent. Et là, il me dit non, mais je viens pour toi en fait. Je viens pour toi. Il m'a enveloppée dans cette énergie vraiment d'amour et de douceur. Et il m'a expliqué qu'il fallait que je prenne du temps aussi pour moi, que c'était très très bien d'aider les animaux et qu'ils en avaient besoin, mais qu'il fallait d'abord être bien soi émotionnellement à l'intérieur pour pouvoir mieux aider les autres à l'extérieur. Pourquoi certains animaux se sacrifient-ils pour autrui? Joy l'explique à l'aide de l'exemple d'un chat altruiste qu'elle a contacté après qu'il soit décédé, victime de la cruauté envers les animaux. Ils peuvent aussi avoir un rôle d'animal martyr, donc les animaux qui sont battus. Donc quand j'étais encore dans mes débuts de communication, j'ai été très intriguée. Quand on me disait « chaque animal a une mission », je me suis dit « pourquoi un animal il va choisir d'être torturé ?» Et en fait, il m'avait expliqué que grâce à lui, il y avait eu des centaines, voire des milliers de personnes qui s'étaient réunies pour justement soutenir les animaux dans une énergie d'amour, dans une énergie de soutien, et qu'en fait sans lui, ça ne se serait pas produit. Et ça a créé un égrégore pareil d'énergie positive pour les animaux qui forcément élèvent et font monter ça. Bienvenue dans la troisième et dernière partie de notre série Joy Fromental, la communication d'Amaham avec les animaux. Joy a toujours aimé les animaux de tout son cœur et elle a eu la chance d'être l'assistante d'une communicatrice télépathique pour animaux en France. Ce poste lui a permis de faire des centaines de communications télépathiques avec divers animaux et de devenir experte en la matière. Dans cet épisode final, Joy discute de ses conversations intérieures pour les animaux concernant la direction à prendre pour l'humanité et notre planète. Les animaux en captivité sont tristes, car leur liberté leur a été enlevée et ils ont été extraits de leur environnement naturel. Certains ont été vraiment réconfortés lorsque Joy est entrée en contact avec eux. L'empathie de Joy pour leur sort l'a amenée à communiquer par télépathie avec des orques enfermés.
Découvrons les pensées d'une orque vivant dans un parc aquatique d'Antibes sur la Côte d'Azur. J'ai aussi fait des communications avec des orques qui sont enfermés dans des delphinariums. Chaque orque avait une vision différente de sa situation. Il y a eu un très très beau message d'un orque qui m'a expliqué que comme lui, il était enfermé dans ce bassin, il y avait certains humains qui étaient enfermés dans ces cases, en fait, à l'intérieur de lui, il était aussi enfermé comme ça. C'était un peu le miroir de l'humanité, puis il y a des orques qui sont en liberté, comme il y a des humains qui sont aussi en liberté, qui se sentent bien dans leur environnement. Et le message qu'il m'a fait passer, c'était que la planète était en pleine transformation, que les énergies étaient très 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 fortes, qu'il y avait des personnes qui tombaient de plus en plus malades parce que c'était un nettoyage en fait. Donc c'est juste une maladie qui nous guérit, qui nous libère de certaines mémoires du passé. Et on tombe malade et puis on se régénère. Si on est sur la bonne voie, on va être vraiment poussé pour continuer sur cette voie-là. Si on n'est pas sur le bon chemin, on va nous ramener un peu violemment des fois sur notre chemin et ce pourquoi on est là aujourd'hui. Et les énergies, voilà. Il a vraiment insisté là-dessus, sur le fait que les énergies étaient très, très, très fortes en ce moment et que c'était vraiment de la transformation, de la destruction pour la reconstruction. C'était une sorte de renaissance, vraiment, rentrer dans un cycle de renaissance. Mmh. Et ça n'a pas été le seul à m'en faire part. Mon chat aussi me l'avait dit l'année dernière. Il a eu une attitude très, très étrange pendant 2-3 jours. Et puis j'ai une amie, elle me dit « Pourquoi tu ne communiques pas avec lui ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Donc on a fait une communication et il m'a expliqué la même chose en fait. C'était vraiment le même message, c'était que l'énergie, c'était la transformation. Et que si... c'était plus personnel du coup, mais ce qu'il me racontait, c'était que si je n'étais pas sur la bonne voie, on allait m'y ramener, mais que ça allait être un peu violent. Donc il fallait bien écouter les messages autour de nous. Et être toujours en accord avec ce qu'on fait à l'intérieur et toujours se poser les bonnes questions. Voilà, pourquoi tu fais les choses et comment avancer agréablement. Et on le voit, il y a de plus en plus de communicateurs, de plus en plus de magiciens de la planète, d'humains qui manifestent et qui ont envie d'apporter justement ce message en disant « la planète va mal, aidons là ». Tout comme chaque être humain, nous, les animaux, avons une mission sur cette Terre. Nous souhaitons également toucher votre cœur et élever votre conscience. J'ai communiqué plusieurs fois avec des dauphins et c'est vraiment, les dauphins, c'est vraiment de la joie. Ce qu'ils nous apportent, c'est de la joie. Ils nous expliquent en fait qu'on ne s'amuse pas dans notre vie en général, qu'on prend la vie très au sérieux, avec un cadre très précis. Et eux, ils nous disent, mais amusez-vous, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous rigolez pas? Pourquoi vous n'êtes pas dans cette joie non-stop? Parce que c'est ça la vie, c'est vraiment la joie. Et ça, c'est vraiment le message principal des dauphins. Nous prendrons quelques instants pour regarder un message constructif et nous reviendrons. Alors restez sur Supreme Master Television. Bienvenue pour la suite de notre émission Joy Fremantle, la communication d'Amaham avec les animaux, troisième et dernière partie sur Supreme Master Television. Joy est également une militante des droits des animaux. Elle assiste souvent à des manifestations contre l'emprisonnement des animaux et elle a rencontré André-Joseph Bouglione, un célèbre directeur de cirque français qui a arrêté d'utiliser les animaux dans son cirque et qui a choisi de protester contre la cruauté d'utiliser des animaux pour le divertissement. Joy a créé une association à but non lucratif appelée From Joy to Animals, Nature, Earth afin de promouvoir la pratique de la communication télépathique animale en France et à l'étranger. Elle donne des conférences sur le sujet en France, à Monaco, en Turquie, en Inde, etc. Elle organise également des séminaires de 2 jours pour aider les personnes intéressées par cette forme de contact entre humains et animaux à se rapprocher de nous, les animaux. Alors qu'elle a été végétarienne quasiment depuis sa naissance, un veau en Inde lui a fait réaliser l'importance d'être végétalienne. L'expérience a amené Joy à faire la transition alimentaire sur le champ.
Et en fait, en Inde, j'ai vu une maman vache avec son petit veau. Le veau, on lui mettait au coupé en deux, qu'on lui mettait sur le museau pour pas qu'il tète. Et en fait, ça a fait comme un déclic et je me suis dit, bah oui, forcément, si on boit du lait, le veau n'a pas le lait. Elle fait aussi la promotion du véganisme, car il s'agit fondamentalement de respecter la vie animale. Elle espère que les gens verront et réaliseront la beauté et le mystère des animaux et qu'ils nous apprécieront ainsi profondément, nous et notre planète. Alors, pendant mon voyage en Inde aussi, au Sri Lanka, au Népal, en Thaïlande, il y a quelque chose qui est revenu très très souvent des animaux, c'est qu'ils ne nous demandent pas à être sauvés un par un en fait. Ils nous demandent de les sauver en général, et c'est même pas le mot sauver qu'ils utilisent, ils trouvent que c'est pas du tout le bon... Enfin, l'énergie derrière le mot, c'est pas être sauvé, c'est juste les respecter en fait, et fonctionner tous ensemble. Donc ce qu'ils nous demandent, c'est à une plus grande échelle de respecter la planète. Donc les animaux qui vivent dans les océans, par exemple, nous disent d'arrêter de mettre des choses, donc ils n'utilisent pas les mots plastique et tout ça, mais dans l'énergie, c'est vraiment d'arrêter de polluer les océans, les mers, parce qu'eux n'arrivent pas à se nourrir correctement. J'ai eu beaucoup de maux d'estomac, d'intestin, parce que forcément, ils mangent des choses qui sont pas faites pour eux. Ce qu'ils nous demandent, c'est d'arrêter de les sauver un par un, de créer des petits refuges, de faire un bandage à une patte pour un chien, alors qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est éduquer les personnes, arrêter de consommer justement du lait avec tout ce qui se passe derrière, avec les vaches, les veaux, arrêter d'enfermer les poules dans des cages. Et c'est vraiment un message général, aussi avec tout ce qui se passe au niveau du CO2, quand on produit un maximum de viande. Et ce qu'ils veulent vraiment nous faire passer, c'est au niveau international, planétaire, de se réveiller et d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et de faire passer des messages comme ça à travers justement des vidéos, à travers Internet aujourd'hui. Ça marche très très bien, c'est comme ça qu'on touche le plus de monde. Des vidéos, écrire des livres, partager des messages au maximum à l'international. Nous remercions tous les animaux qui ont partagé leur profonde sagesse avec des communicateurs télépathiques pour animaux, comme Joy Fromental, afin que les humains comprennent mieux tous les animaux et la Terre-mère. Nous aimerions aussi exprimer notre gratitude à Joy pour avoir discuté du monde incroyable et magique de la conversation intérieure avec nous, les animaux. Nous lui souhaitons le plus grand succès dans sa mission, afin que d'autres voient la noblesse de tous les êtres de notre planète. Que les cieux la bénissent toujours et que son cœur soit jamais rempli de délices et de bonheur. Pour plus d'informations sur Joy Fromental, veuillez visiter les sites suivants. facebook.com/fromjoytoanimals, fromjoyso.org, instagram.com/joyfromental. Tendres téléspectateurs, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dans un instant, retrouvez Soyez humble tout le temps, deuxième et dernière partie dans Entre maître et disciple, juste après les nouvelles d'exception. Que la grâce de la Providence vous apporte l'élévation spirituelle complète. To our loving viewers, it's been a pleasure to have you with us today. Coming up next is Be Humble All the Time, part 2 of 2, on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May the grace of the Providence bring you full spiritual upliftment. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Accese suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AW.
हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/aw 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/aw。Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-aw. Barajuna متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/aw. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/aw. Наши программы оферуют много языков. Просим увидеть suprememastertv.com/schedule oraz suprememastertv.com/aw.